Bonjour à tous, bienvenue sur Taprak et je suis vraiment content de vous retrouver parce que ça fait 2 mois que j'avais pas posté de vidéo. Je crois que c'est la pause la plus longue depuis qu'on a commencé les vidéos il y a 4 ans. On est de retour, je suis vraiment content, je suis content de vous retrouver. Donc les plus perspicaces d'entre vous auront noté qu'il n'y a plus le panneau derrière et que l'iconographie et le nom de la chaîne a changé, du moins il s'est raccourci puisque maintenant on s'appelle Taprak tout court. Taprak, l'art du tir juste. L'art du tir juste, c'est un gros projet sur lequel on travaille. Je vous en dirai un peu plus d'ici un mois et ce sera quelque chose qui va arriver en juin. Donc juste Taprak, pourquoi? Parce que, alors c'était pas prévu, mais j'ai quitté Gajoubert début janvier. Pour la petite histoire, je tirais à Gajoubert depuis 8 ans. Il y a 2 ans, j'ai embauché à l'armurerie de Gajoubert, la salle d'armes, et donc j'ai quitté l'armurerie, donc j'ai quitté Gajoubert début janvier. Bon, après, je m'étendrai pas là-dessus, je suis pas du genre à faire des dramas sur les réseaux sociaux. Moi, je suis là pour vous divertir et vous faire rire. On a tous nos problèmes dans la vie, donc voilà. Et puis je suis pas là pour vous faire pleurer, et si je devais vous faire pleurer un jour, ce serait pleurer de rire. Donc voilà, toujours est-il que l'aventure, maintenant, ça va continuer sous le nom de Taprak, et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous soutenir. Et puis voilà, c'est une page qui se tourne, je l'avais pas forcément prévu comme ça, mais bon, c'est la vie. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas publié pendant quelques temps, parce qu'il faut que je retrouve du travail, que je cherche du boulot, parce que là, j'ai plus de boulot actuellement. Donc voilà, plein de choses à gérer. Voilà, donc c'était juste pour vous expliquer, faire un petit peu le point sur la situation. Mais sans plus attendre, on va passer au divertissement et on va passer à cette vidéo. Vidéo qui est sponsorisée, alors il faut bien que je trouve des financements pour la chaîne maintenant que je bosse plus pour l'instant. Cette vidéo qui est sponsorisée par TACMAT, c'est une société française qui vend pas mal de matériel, notamment destiné aux professionnels, des porte-plaques, des ceinturons, plein de choses comme ça. Je vous mets tous les liens en description. Alors ils vendent principalement aux professionnels, mais en tant que tireur sportif, vous pouvez acheter certains accessoires qui peuvent vous intéresser. Et je voulais notamment vous parler d'un produit qu'ils ont en vente sur leur site, c'est le Dryfire Mag. Tout simplement, c'est un chargeur que vous allez pouvoir insérer dans votre Glock et vous allez pouvoir travailler à sec sans avoir à réarmer votre arme à chaque fois, puisqu'il y a un dispositif ici qui va tout réarmer et vous allez pouvoir enchaîner les tirs à sec. Donc vous allez pouvoir travailler des doublettes, des triplettes à sec, bref, enchaîner les coups. Ils existent en 2 configurations, il y a comme ceci, et il y a aussi avec un kit de ressort, vous allez pouvoir changer le ressort pour avoir plus ou moins de résistance afin de retrouver ce qui se rapproche le plus de votre arme. C'est vraiment une solution cool pour s'entraîner, de toute façon on ne s'entraînera jamais assez. Ça change un peu et je vous dis, on va pouvoir donner un peu plus de dynamisme à notre session de travail à sec, plutôt que de faire bang, raqué, bang, là on va pouvoir enchaîner avec une sensation de la queue détente quasi similaire à celle que vous pouvez avoir avec votre arme. Ça s'appelle les Dryfire Mag et c'est dispo sur leur site, je vous mets tous les liens en description. Dernièrement, TACMAT m'a invité à les suivre sur une démonstration qu'ils allaient faire à des professionnels et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de réaliser un de mes vieux fantasmes. Enfin, un vieux fantasme, calmez-vous, hein, rien de... On parle de tir. En fait, il y a très longtemps, on avait tiré déjà à 200 mètres au Glock et il y a très longtemps que je voulais augmenter la distance et faire une tentative à 300 mètres. Il se trouve qu'au cours de cette démonstration, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser de la Sellier Bello 124 grains. Je sais que certains d'entre vous sont sensibles à ce genre de détails. Et je vais le faire avec mon Glock 45. Alors oui, le Glock 45 est plus court que le Glock 17, donc certains se disaient qu'il y a peut-être un problème de précision. Mais on va voir que ça passe plutôt pas mal. Et je pense honnêtement que j'aurais pu avoir un meilleur taux de réussite si on avait été mieux au niveau du spotage. Alors, je vais pas jeter la pierre à mon pote, hein. Je vous explique qu'il y a eu 2 choses déjà. Première chose, avant de faire cette vidéo, j'ai été voir la vidéo d'Instructeur Zéro pour voir comment il l'avait monté, un petit peu ce qui avait été fait. Quand il tire à 300, on entend vraiment les impacts sur le gong. Bing! Bang, bang, bang. Malgré que, quand il a tourné, lui, il a eu beaucoup, beaucoup de vent. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, le gong que j'ai utilisé, c'est un de mes gongs qui doit faire 50 sur 40 à peu près, voilà. Il est relativement épais, il est relativement lourd. Et ce qui se passe, c'est que quand il spotait dans la jumelle et qu'il regardait, on voyait pas forcément les impacts, c'était plus de la vibration, en fait, qu'un gros mouvement de balancier. Donc c'était un peu difficile de deviner les impacts. Et de surcroît, avec les casques, le son était vraiment... quasiment inaudible. Donc du coup, j'ai tiré 10 ou 12 cartouches, il me dit non, ça touche pas et tout, je dis bon, on va arrêter, ça sert à rien de montrer quelque chose, voilà, c'est un fail quoi. On est rentré, j'ai regardé le dérush parce que vous avez vu que je mets une caméra en contre-champ pour qu'on puisse voir dans la longueur et tout, qu'on nous dise pas que voilà, ceci, cela. Et en fait, en regardant les dérushs, j'ai vu qu'il y avait des impacts en fait. Donc déjà, à notre position à 300 mètres, on ne les entendait pas forcément et on ne voyait pas très bien le gong bouger. Donc du coup, on a dit, bon, on ne va pas rester là-dessus vu que ça fonctionne. On est redescendu et on a refait une session. Et donc, ça a donné ce que vous allez voir maintenant. Allez, je vous retrouve tout de suite après la vidéo. Thank you.
Ouais. 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 Putain, mec, c'est loin. Ouais, c'est clair. Je vais réduire le point rouge. Ok. Ouais. Impact. Excellent. Merci. 300 mètres. 45. Impact. Au centre. Pareil. Impact. Wow. Ok. Impact. Donc j'espère que vous validez le tir. Donc voilà, c'est pas une vidéo, on n'apprend rien de nouveau, c'est juste une vidéo ludique, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de faire. Je voulais vraiment essayer de taper un gong à 300 mètres. On peut se poser la question de contre-viser, je pense que je visais à peu près entre 1m50 et 2m au-dessus. Après c'est compliqué de donner une distance, vu qu'il y a tout ce qui va être le moindre mouvement à 300 mètres, bah, vous doutez bien que c'est amplifié. Mais bon voilà, je suis assez content, on l'a fait, on a touché plusieurs fois, c'était plutôt cool, je suis vraiment content d'avoir eu l'opportunité de faire ça, et puis je suis vraiment content de vous présenter cette vidéo bah, pour recommencer. Pour nous soutenir, bah, il y a deux choses que vous pouvez faire, c'est nous rejoindre sur Instagram, on a bientôt passé les 10 000 abonnés, je remercie les copains de la Gauloiserie qui m'ont donné un petit boost, et à tous ceux qui repartagent aussi pour que j'essaye de passer ce cap des 10 000. Pareil, la chaîne, on va passer les 50 000, je pense, dans ce mois-ci ou dans pas longtemps. Donc quoi qu'il arrive, j'ai beaucoup de vidéos avec du très très lourd en armes qui arrivent à vous présenter. Autre chose que vous pouvez faire aussi, on a mis à partir de ce jour en vente sur le site le hoodies Taprak, l'art du tir juste, c'est ce hoodies-là. Donc si tu vas aller en chercher un exemplaire, et ben, tu nous soutiendras. Je vous remercie d'être là, je vous dis à très très bientôt, et puis c'est parti pour de nouvelles aventures.